plein été. La caméra capte la lumière et le son, mais pas la chaleur. Le frémissement du brin d'herbe, mais pas le souffle de l'air surchauffé. La caméra capte l'ombre du filmeur, mais pas le filmeur. Elle ne capte qu'une part infime de l'espace qui l'entoure. La suite du monde reste définitivement hors champ. Madame et Monsieur Bruni. Comment dire, je pense que c'est. Je sais pas trop. En fait, il y a une partie du galet qui a dû rester au niveau de la terre. Et quand je l'ai cuit, on m'a décrit ça comme des petits crabouillés. Enfin, c'est fait. J'ai pas fait exprès de faire ces formes qu'on voit là. En fonction de la grosseur, ben là, c'est pareil. C'est comment on appelle ça déjà hein? Parce que j'avais fait un portique comme ça pour en mettre plein. Amaury, c'est bien ça. Lithophone, voilà. Ah oui, d'accord. Hein, tu vois, c'est le principe du lithophone. Voilà. Hein, tu vois, les pierres qui chantent, quoi. Ah, voilà, ouais. Tu vois. Et là, nous on m'a pris un petit réchauffeur, c'est plus efficace. Et puis, l'hiver, on se baigne, on la met à 37, et puis c'est bien, quoi, c'est sympa. Ça me fait bizarre de faire ça, de faire des pièces ben sur le moment, voilà, t'as envie de faire ça, tu réfléchis pas du tout à ce que tu fais. Puis tu laisses traîner, puis il y a des fois t'as envie de le cuire, des fois t'as même pas envie de le cuire, t'as envie de le laisser se désagréger sous la pluie. Et puis cette corne, ben, elle est restée hyper longtemps. Puis le fait que Gilles avait dit ça, ben, c'était assez bizarre, je la mettais sur mon four. Mais sur mon four, pas dans mon four. Et j'ai, je te cuis pas. Enfin, c'était assez bizarre, quoi, tu vois. Et puis, je l'ai cuit un jour, mais encore toujours pas décidé à faire quelque chose avec. Et puis, l'autre jour, Gilles, quand il est venu, là, j'avais déjà fait ma tête. Ouais. Parce que d'habitude, les lampadaires, je fais d'abord le pied, je monte. Et puis, très souvent, là-haut, je suis bloqué, quoi. Je sais plus quoi faire. Alors là, j'ai dit, bah tant pis, je vais commencer par la tête. Puis je... oh, sauf qu'en fait, j'étais bloqué au milieu, par ailleurs. Il y a des fois, faut se laisser aller, quoi. Hein, faut pas trop. Et donc, voilà, pour la petite histoire, et ben là, il y a la corne agile, tu vois. Juste là, hein, juste là. Là. Bon, c'est les cordes ou ça évoque d'autres trucs aussi. Hein. Plus t'as de chamottes, j'allais dire, et la mienne, il y a des fois, on arrive à plus de 50%, tu vois. Ah ouais. Donc, ça veut dire que là. Alors là, c'est du béton naturel, quoi. Bah, c'est une vraie bassine, hein. C'est-à-dire que l'eau, elle ne part pas. Tout le monde me dit, mais t'as une source. Ben non, non, c'est une vraie bassine, quoi. Et donc, l'eau, elle ne part pas. L'année d'après, en général, avec le soleil, il y a l'évaporation de l'eau. J'y vais en short. Il y a des fois, je vide un peu parce que j'ai besoin d'arroser le jardin ou des trucs comme ça. J'y vais en short. Et là, je passe ma main. Je prends un petit seau
et j'appelle ça la cueillette de la terre, tu vois. Et là, j'ai carrément de la crème, c'est-à-dire que l'argile est remontée en surface. Je passe ma main. Alors évidemment, des fois, j'ai des escargots, quelques feuilles mortes, enfin, tu vois. Mmh. Je la mets dans mon seau. Et puis après, ben, je la tamise et après, je peux avoir je vous en ferai toucher, mais de la crème pure. Hein. Et puis, quand je concasse, c'est-à-dire pour creuser ma mare, eh ben là, j'ai carrément ce qu'on appelle un chape, quoi, du chape argile. Et si on met le doigt dedans, regardez, allez voir en bas, là, dans le fond. Allez voir. C'est de la vraie crème. Hein, Ah ouais, dis donc, c'est lisse. Ah, très, très lisse. Hein. Bon, il y a un peu de bave d'escargot, de... Ah, mais forcément, hein, parce que c'est naturel, hein, c'est la mare. Je te filme. Il reste que je l'ai. C'est pas évident. Je vais essayer de le trouver. Voilà.